Régulation, la Pro 4 en équipage complet, début de sa vérif. Bien reçu, Pro 4. Départ Saint-Chéron. Régulation, la Pro 4 se présente. Bien reçu, Pro 4. J'ai un pouls qui est irrégulier, entre 80 et 100. 80 et 100, ok. J'ai une fréquence ventilatoire à 20 mouvements minute. Ouais. Du coup, la désaturation à 89. À 89, ouais, que t'as remonté. Ouais, c'est ça. Très bien, ouais. Et une température à 36,3. Et si vous pouvez allonger les jambes, ça, si vous pouvez. Ouais. Docteur cholestérol. Non, elle n'a pas d'autres problèmes de santé. Non, c'est juste les 13,4 des bocaux. Ouverture en dessous, madame, d'accord, c'est pour vous soulager la jambe. Oui. Pour que vous ayez un petit peu moins mal. Ne faites rien. Bougez pas. Vous sentez là quand je vous touche? Non, on va être là. D'accord. Je veux juste savoir. Là, vous sentez ce que je fais au niveau de vos jambes? D'accord. Là, vous sentez? D'accord. Ok. Je vais vous enlever vos petites lunettes de petites secondes. Je vais vous demander de regarder droit devant vous. D'accord. Et vous fermez pas les yeux. Je vous mets une petite lumière devant les yeux. D'accord. Vers vous, madame. Désolé. Mais il n'y a vraiment aucune douleur à la poitrine là actuellement. Non. Non? D'accord. Un électrocardiogramme à la dame. Pour pouvoir l'envoyer au médecin du SAMU qui fasse un contrôle exactement du cœur. Pour moi, c'est bon, je vais le lancer. Hein. Régulation pour la Pro 4, parlez. Transmettez Pro 4. Régulation, la Pro 4 demande un renfort antalgique pour patient algique plus plus. Monsieur, je mets la morphine. Hein. Oui. On a été missionné par le SAMU 91 pour une intervention pour une personne qui se plaint de douleurs rachines. À notre arrivée, on découvre du coup un monsieur allongé sur son lit qui est très algique. On est accueilli par les cris et la douleur est tellement intense que pour un protocole antalgique. Et du coup, il s'est avéré que c'était disponible. Ils ont mis une petite vingtaine de minutes à arriver et puis voilà, le patient. Le patient est calmé par la morphine et ça a permis du coup le transport de la personne dans de bonnes conditions et ça a pu permettre de diminuer sa douleur et une bonne prise en charge.